Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Manon et Jessica qui ont réagi aux critiques par rapport à Julien Tanti. En effet, tous les Marseillais se sont réunis pour fêter ensemble le jour de l'an. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu leur incroyable soirée, je vous mets le lien dans le petit en haut à droite. Et au cours de cette soirée, les internautes ont trouvé que Julien Tanti était trop proche de son ex Jessica. Manon a donc décidé de répondre à ces remarques et pousse un gros coup de gueule. Jessica et Thibaut ont également réagi et c'est très surprenant. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-nous en commentaire comment vous auriez réagi à la place de Manon. Quand je vois certains commentaires, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est juste 2-3 petites pétasses qui n'ont rien à faire de leur vie et qui sont hyper frustrés. Quand je vois certains commentaires sur Jessica, Julien, tout ça, ça me fait tellement de la peine pour vous. Vous êtes restés bloqués dans votre tête en 2014-2015. On est passé en 2020 hier, hein, je vous le rappelle. Pour info, je suis mariée, j'ai Thiago avec Julien. Jessica est aussi mariée. Elle a aussi un petit garçon avec Thibaut. Donc, faut arrêter de rester bloqué sur Jessica et Julien. Comme quoi, Julien, il est hyper proche de Jessica. Comme quoi, il est plus proche de elle que de moi. Non, mais vous êtes vraiment des gogoles. Jessica, on la voit jamais. Jessica, c'est une des meilleures amies de Julien. Encore heureux qu'il rigole avec elle. Encore heureux qu'ils passent du temps ensemble et qu'ils se tapent des délires. Ils sont toujours tapés des délires. Où est la gênance là-dedans? Encore une fois, je plains votre vie. Aller sur des réseaux pour commenter sur d'autres personnes des choses négatives et inventer des choses comme ça. Vous savez vraiment que ça a à faire. Hein. Vous n'avez pas d'autres occupations là? Il n'y a pas d'autres trucs à faire? Non, vous faites chier en fait. Vous faites chier dans votre life. Bon, en tout cas, occupez-vous de votre mec. Savoir qui fréquente pas, avec qui rigole pas. Et si vous n'avez pas de mec, occupez-vous de vous trouver un mec, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite d'avoir un mari comme le mien. Bon, allez, les 2-3 petites crottes de nez de qui je parle, là. Je vous laisse dans votre vie de merde. Et moi, je vais aller passer une bonne soirée avec mes amis. Ouais. On est sur l'entrée, là. Ah oui, c'est pour les entrées, bien. On mange même pas. Arrête de rigoler avec mon mari. Hein. Ah ouais. Alors maintenant, on m'a dit qu'apparemment, il y avait. C'est quoi? En fait, il y a des gens. Ouais, partout là, des petites connasses. Qui pètent les foutards. Non. Qui disent. J'ai rien dit, moi. Oui, ce sont quelques. Des petites connasses. Voilà, qui disent que Jessica, elle est trop proche de Julien. Elles sont restées bloquées en 2014 ou en 2020. Premier coup de gueule de la ZOS 2020. Ce que vous savez pas, c'est que moi, après Greg, après Kev et après tout le monde, c'est moi qui prends Julien et les gars, qu'elle est ok. C'est moi. Ah, c'est Thibaut aussi. Et Thibaut aussi. Ah, tu prends Thibaut aussi. Oui, les deux. C'est elle la putain, en fait. Voilà, c'est moi, exactement, je l'assume. Moi, je le dis ouvertement. Je suis une. Bon, en tout cas, ça ne me dérange pas. Attends, j'ai pas fini. Ça ne me dérange pas que Jessica soit la meilleure amie de mon mari. Ça ne me dérange pas qu'il rigole, qu'il se tape des barres, qu'il lui tire les cheveux, qu'il mette de l'eau sur elle. Tant que c'est sur elle et pas sur moi. Voilà, il y en a assez. Voilà. C'est bien parce que j'ai pas snappé depuis le 1er janvier, c'est mes premiers snaps et voilà. C'est un bon snap celui-là, il fait plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? C'est à moi qu'on devrait demander ce que tu penses. C'est à mon mari, Hey, Thibaut, tu kiffes avec moi ou pas? Non, moi je vais jouer avec Magali. Voilà. Merci, voilà, tu vois. Et moi je vais jouer avec qui alors? Avec Manon. Voilà. De toute façon, ils disent que tout le monde s'échange dans les Marseillais, alors voilà, soyons fous. Et toi, t'en penses quoi de cette histoire? N'importe quoi. Le bout de la vie.